Lewis Hamilton, Mercedes et Max Verstappen, Red Bull, ont enterré la hache de guerre après la controverse qui avait éclaté à la suite de leur accrochage survenu dimanche passé au Grand Prix de Bahreïn. Et c'est le quadruple champion du monde de Formule 1 qui a fait le premier pas, après avoir qualifié Verstappen de « dickhead NDLR », connard en français, pour la manœuvre audacieuse qu'il avait tentée au premier virage lors du deuxième tour de course. Verstappen avait échoué dans sa tentative de dépassement, et les deux hommes étaient allés au contact. « Habituellement, je règle mes comptes sur la piste, chose que je n'ai pas faite pour cet incident », a expliqué Hamilton ce jeudi à Shanghai, où se déroule le Grand Prix de Chine ce week-end. « Je viens tout juste de croiser Max, je pense que c'est toujours bon de témoigner du respect l'un envers l'autre. Et étant le pilote le plus âgé de nous deux, j'estimais qu'il était important que j'aille le trouver », Verstappen répond aux critiques de Hamilton, « Nous étions en train de signer des autographes, et je suis allé le voir. » Je lui ai serré la main et je lui ai dit que j'étais désolé pour ce qui s'était passé dimanche dernier. Que ce soit sa faute ou la mienne, c'est désormais de l'histoire ancienne. Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici. Retrouvez plus d'articles sur F1.